Bonjour, je vais vous annoncer une nouvelle intéressante. Au mois de novembre 21, 22, 23, la tenue d'un grand congrès à la Villette, au Musée des sciences et de la technologie, un congrès sur un des sujets les plus mystérieux qui existent et pourtant qui fait intimement partie de toutes nos vies, de toutes nos activités, de notre histoire personnelle, de l'histoire de notre pays, de l'histoire du cosmos, le temps. Le temps, cette chose que nous sentons à l'intérieur de nous et que nous avons toujours beaucoup de difficultés à décrire, à dire qu'est-ce que c'est que le temps. Eh bien, ce congrès va réunir 150 spécialistes sur différents aspects du temps, que la rencontre de tous ces esprits, de tous ces sujets, de tous ces points de vue qui vont aller de l'économie jusqu'à la biodiversité, jusqu'à l'art, que tout cela puisse faire ressortir non pas une explication ultime de ce qu'est le temps, je pense qu'on ne sera pas beaucoup plus avancé après, mais quand même, on aura appris des choses, ça nous aura donné l'occasion de nous rencontrer, de parler de nos visions, de nos façons à chacun des sujets, de regarder, de considérer ce mystérieux sujet qui est qu'est-ce que le temps? Quel âge a le temps? Depuis combien de temps y a-t-il du temps? Toutes ces questions qui se posent à nous.